frapper, mais pas percer le paille et près d'un mot sur la porte. Récupère déjà la moitié, j'en paierai l'autre par la poste. Alors j'ai sonné jusqu'à chauffer du coq au bout des doigts. Après 2 heures, j'abandonnais l'espoir de rentrer chez moi. Habité dans la chambre chez mes parents, quand t'as dépassé la barre de 24 ans, depuis le sentiment que la vie se réveille, que le poster sur les murs, c'est fait. On verra des notes et de la réflexion. Bien évidemment, ma mère pose des questions, je donne des versions. On n'a pas peur, je prends mes bandes, sur mon grand, je n'appuie pas, mais tout seul, je me laisse aller dans le malheur. Tout seul, je comprends ça, mes valeurs. Je fais des bandes, j'envoie des messages tous les quarts d'heure. Mon numéro, je peux le bouger, l'opérateur. Je t'aime, je veux que tu me reviennes, je veux que tu me remettes juste une deuxième chance. L'ignorance, c'est l'une des pires souffrances. Je me voyais beaucoup plus fort que ça, mais qu'est-ce que je prends? Il y a des millions de femmes sur terre, mais c'est à elles que je pense. Je pensais oublier facilement, pourtant elles me hantent. Je pensais déjà assurer mes conneries, mais elles me hantent. Quelques mots, c'est la seule chose que je demande. Dis-moi que tu vas m'envoyer tes frères me briser les deux jambes. Insulte-moi, dis-moi que ma mère aurait mieux fait d'aller.